Désolé, il y a eu une interruption de la Wi-Fi, Bruno. Ça lui va bien. V, je veux voir cette buse brasser de l'air. Laisse aucun de ses coups atteindre. Ok. Utiliser toutes les techniques apprises jusqu'ici pour vaincre le machin. Je maîtrise maintenant le kung-fu de la buse, jeune apprenti. Je n'ai plus rien à t'enseigner. Bon, on arrive à la scène de l'épreuve finale. Voilà. Passons aux armes de corps à corps. Prends une épée. Oh yeah. Techniques de corps à corps que vous venez d'apprendre peuvent être utilisées avec les armes de corps à corps comme le katana. Ok, vous disposez de différentes armes et d'une cyber console. Vous allez maintenant rencontrer divers ennemis que vous avez déjà affrontés pendant votre entraînement. Battez-les comme vous le souhaitez. Voilà, on va aller. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Eh ben c'est génial. Monte sur la plateforme. C'est génial. Bon bah c'est bon, j'ai fini. Je peux me barrer. Par là. Par contre, c'est qui ce petit dog là? Pourquoi il me... Alors? Pas mal, hein? On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Yes. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job? Je suis pas ta mère. Fais ce pourquoi je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. C'est parti au boulot. Let's go. L'ascenseur, par ici. Ok, je peux choisir mes armes. Très bien. Ok, je pique des fringues là qui traînent sûrement. Et Jackie. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Ah bah c'est super. Hey, on va arriver à temps, Bug. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade ? Charmant. Alors... Vous pouvez pas vous calmer tous les deux. On y est presque. Ouais, Bug. Toi, concentre-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai vu. C'est à moi. Tiens, les poubelles qui traînent, elles sont toutes à moi. J'ai récupéré un vinyle. Trouvez le 1237. Ah, notre pote, il a deux guns. Mais j'ai pas de visée sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Ah, oh, je déteste quand ça se joue sur le fil. Maniez-vous. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Fais pas de bruit. Putain, le beat est bon. D'accord, tu peux
vraiment attraper toutes les poubelles qui traînent. Regarde cette chica. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de repros et attaques de contrebande. Clairement, du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. Corps, matériel cybernétique essentiellement corps, arrêt cardiaque. C'est quand hey, tiens-toi prêt. Mène tes roses droitement. Quitte-le en silence, mais. Hey, j'arrive. Coco. Là. J'aurais pas fait mieux. Ils savent qu'on est là. On en a combien? 4. Avec du matos de. Faites gaffe. Il y en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. Mais oui, j'ai mis du vernis sur les ongles, il est trop beau. Et puis j'ai des dents en or aussi. Et désolé, il y a une coupure de. Enfin, je sais pas, ma carte wifi elle est un peu merdique, il faudrait que j'en ai une mieux. Mais il y a des poubelles à looter. Oh, j'ai eu un gros gun. Attends, recharge. Tire dans la tête. Bam. Bah oui. Attendez, attendez, faut que je prenne de la ventoline. Je suis pas en forme là. Ventoline, vite. Putain, c'est stylé ça de passer avec le gun sur le côté. Furtivité quand tu nous tiens, je sais pas comment j'aurais fait sans la furtivité. Mais attendez, il y a des poubelles partout, il faut que je ramasse tout. C'est quoi ça? Un Schwab Schwab au ketchup. Bah c'est à moi maintenant. Alors je tiens à vous rassurer, tout ce qui vient de se passer est complètement normal. Ah oui tiens, j'aurais pu pirater ça. Il y a de la camelote là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses à looter là? Oui. Tout ça, c'est à moi. Alors. Ok. Je voudrais voir un truc juste parce que j'ai eu des armes. Mais là, j'aimerais bien équiper, genre... Voilà. Et là, j'aimerais bien prendre, genre, ça. Donc là, j'ai pas le niveau qu'il faut. Voilà, un petit blouson. Vous avez vu, c'est mon personnage, ça. Est-ce que... Non, là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Pas un petit t-shirt un peu stylé? Non. Ok. Ah, je peux charger le tir du shotgun? Attends. Ah oui,
pas trop du shotgun de la déconnade, quoi. Je prends ça. C'est à moi. Je l'ai vu, c'est à moi. Tout est à moi. Ah, oh, je ferais bien un petit solitaire. Message. Est-ce que j'ai... J'ai un tas de bons trucs. Une main de Zetatech, elle utilise une biosignature, mais on a commandé un jailbreak optique à verrouillage Militech. Ah non, pardon. Et on a commandé un jailbreak optique à verrouillage Militech. Je me demande où Spomar les a trouvés. Régulateur d'hormones Arasaka, sans biosignature et autres curiosités, actionneur d'optique et Real Skin Cosmetic. Ah oui, d'accord. Et là, admettons, je pourrais aller sur Samurai Web. Ok. Oh, ça reste stylé. Putain de bordel de merde. Ah oui, quand même. Non, c'est une vraie barbe. Mais c'est juste que j'ai mis des couleurs un peu rigolotes. Attends, est-ce qu'on peut zoomer sur la tête? Là, j'ai pas de miroir pour te montrer, mais... Chapeau de Trilby en paille solide. Et je peux pas le mettre parce que j'ai pas 4 points. J'ai pas niveau 2. Dommage. On verra un miroir. Si j'arrive à faire un truc. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. C'est pas bon signe. Elle est dans une baignoire remplie de glace. Il y a un autre corps aussi, putain. On dirait des morceaux de viande. Garde ton calme, V. Si elle s'en sort, elle se souviendra de rien. Son subconscient sera un peu marqué, c'est tout. Paraît que les gens qui survivent... Ah, du coup, en mode stream, ils sont habillés. Normalement, elle est à poil dans la baignoire. C'est rigolo, ça. Un verre d'eau glacée et d'un coup, leur main se met à trembler. V, connecte-toi à son biomoniteur. Je vais évaluer la situation. Je me connecte. T'as vu? J'ai un petit port Ethernet dans la main, trop pratique. Medtech, panneau du biomoniteur. Démarrage. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Alors, Trauma Team, c'est une sorte de série de service d'assurance santé de l'extrême. Rotibug, il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok, du boulot de bouffeur de scope donc. J'ai une idée, regarde son aéroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. C'est pas un peu risqué? On peut pas se contenter de la sortir de là? Elle respire encore, mais il nous faut son biomoniteur pour détecter des hémorragies éventuelles et le reste. Alors regarde s'il y a un éclat et retire-le. Ok, ok, je retiens l'éclat. Ouais, il y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Jack, ouvre l'œil, c'est pas encore fini. Je sais pas ce qui nous attend dehors. Je suis pas rêvé. Vas-y. Oh le... Avec le petit ray tracing là, même si je l'ai pas mis fort parce que ça met mon PC à genoux. Oh, c'est magnifique. Elle fait un trépas. On dirait vraiment qu'ils ont tagué le... Jackie, Eripo. On dirait vraiment qu'ils ont tagué le soutien-gorge directement sur elle. Je crois. Putain, ça a marché. Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Allez, allez, allez. Voilà, sors-la d'ici, la terrasse. Ouh, c'est beau. Atterrissage, dégagé. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Ça va, moi je suis un gentil, je suis là pour aider. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez. Mais. TT-133 à contrôle.
Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Ok. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? D'un gros blaireau. Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Avec ma propre voiture, pourquoi vas-y, pas? Soyons fous. Je suis claqué. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Allez, j'ai réputation à deux. Pareil que le NCPD, je sais pas ce que ça veut dire, mais... tous les accès à Watson. Ça a l'air important. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Ok, bah conduis. Alors, est-ce que je peux sauvegarder à tout moment? Oui, cool. Putain, il conduit ma voiture. Alors que c'est ma voiture. Je suis pas trop chaud. Hein. Vibe. Décidément, je kiffe Night City. Oh là là, comment c'est beau. En plus grand. Non, Mano, elle a rien d'ordinaire. Ouais, 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 c'est lui. Mais a priori, ça arrive pas tout de suite. Il y a pas mal de choses à faire avant que ça arrive. C'est ici que naissent les légendes. C'est tellement beau. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce qu'on dit? Jackie, Clay Watson, tu te souviens? Ah merde, c'est vrai. Je suis parano. Ah merde, je le savais, il y a une camionnette qui me suit. Je vais les baiser. J'aime pas ça du tout. Les désordres, bande d'enculés. Bande d'enculés. Oh là là, la pluie et tout, non mais n'importe quoi. J'essaie, arrête de zigzaguer. Vite de la ventoline. Je vous ai eu les connards. Mais vite le conducteur. Ricardo. Ma voiture. La morflée, ta pauvre caisse. Désolé. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Oh là là, ça claque, ça rase, c'est abusé. Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité.
Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma Dulcinée. Votre Dulcinée? Ouais, elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez? C'est une raison valable. Laissez-les passer! C'est les derniers! Mecha Militech. Oh, j'aimerais tellement avoir un mecha. Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame la mère. Il a fait de l'effet, on dirait. C'est la dévotion dont j'ai fait preuve qu'il a prise en trip. C'est ça. Je suis ultra loyal, stable en amour. Et modeste en plus. Il en a rien à foutre du pare-brise tout déglingué, des impacts de balles sur la voiture. Mais c'est normal à Night City, c'est toi qui comprends pas, c'est pas la policière. C'est normal. Mais on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Non, mais oh là là, les petits reflets sur la vitre et tout. Là, on y est là. Là, on fait une balade là, tu vois. Alors, par contre, la musique. Je préférais s'il y avait un petit peu de rock and roll, quoi. Parce que là, il va falloir que j'arrête là, dès que j'arrive, je crois que c'est plus très loin le parking de ma maison. Ça y est, on est presque chez toi. Et toi alors, il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Heywood. T'inquiète, V, ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Le Jackie sympa. Ah t'as vu, il a toujours son petit pitbull du début dans la voiture. Trop stylé le petit bobolette pitbull vénère. Bonjour à Misty. Allez, check. Ah, j'ai même pas pu. Bah, allez, salut. Le mec a pas le temps. Bon, allez. Nouvelle sauvegarde. Et je m'arrête là parce que c'est l'heure du travail. Et merci d'avoir suivi, du coup. Et puis, à bientôt. Putain, ma caméra, elle filme le plafond depuis tout à l'heure. Allez, salut.